un gala de charité qui est organisé par Génération Liberté au profit de Wallah Weekend. Et on a la chance d'avoir la Maison Dior qui soutient notre action, la QNB également. Et donc voilà, ce soir on reçoit Adar Kamila qui est la résidence de l'ambassadeur de France. Caritatif, باش نلمو ما يلزم باش نعاونو الصغيرات qui en ont bien besoin dans les régions les plus défavorisées. C'est un événement exceptionnel, c'est tout simplement un miracle. Actuellement, pour ramasser des dons, ça a été un véritable combat. On sait que l'État a sa vraie responsabilité, mais on ne va pas leur jeter la pierre non plus. Tout le monde aujourd'hui est concerné par ce problème. Il faut penser à la jeunesse dans les régions les plus défavorisées de notre pays, où les hommes d'alcool n'ont pas de bouche à ou sera à l'interne, à les internats. L'État est complètement déplorable. Christian Dior, la maison Dior مداريز تعاونت ليلى فما برشا هدايا السهرية فيها عشاء من بعد ذاك بهاء ماشي غني بهاء اللي الناس الكل شافوه مع تلفز دايوغ في جازا كارتاج عنده ان كونسير سبيسيال ليلى وبعدها هي فما فونت اوز انشير مش دي برودوي دي كادو دو ديور باري منهم ان ساك يونيك موديل يونيك عملته ديور سهره هذيا خاص بالسهره وفما فنانين رسامين توانسه معروفين كيما جلال بن عبد الله كيما ريم القروي خمسه كل في الكل مش يهديو تبرع في العمل نتاعهم والسهرية اللي مش تصير دونك فيهم فانت اوز انشير بتة كما يقولوا في تونس. Monsieur Bernard Dagnon de Casella est le représentant de Dior ce soir qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être parmi nous et d'offrir des lots ce soir qui nous seront mis en vente aux enchères, dont le fameux sac modèle unique de chez Dior. Vous savez, le Dior, c'est le sac emblématique de la marque. Donc c'est un sac qui a été créé en 1995 pour être offert par Bernard Arnault à la princesse de Galles, à Lady Di. C'est pour ça qu'il s'appelle le Lady Dior. Et donc Raf Simons, le nouveau créateur de Dior, a créé ce sac pour la collection automne-hiver en mars 2014, donc pour la prochaine collection. Et donc c'est une pièce unique. C'est une action qui a pour ambition de finalement apporter un minimum d'hygiène, de confort et donc de moyens de réussir pour les enfants en Tunisie dans nos internats. Vous avez 400 internats en Tunisie et grâce à vous, on va réussir à lancer le projet pilote, qui est un projet pilote qui est à Maktar. Et si vous êtes déterminé à monter les enchères ce soir, c'est-à-dire qu'on va offrir aux enfants de la Tunisie un minimum de confort et de dignité. Et en tout cas, je vous remercie. Tout à l'heure, j'ai une amie qui m'a dit « Mais attends, c'est 250 dinars et il n'y a pas de champagne et on est en train de marcher avec nos talons sur la pelouse. » C'est vrai, c'est 250 dinars, vous n'aurez pas de champagne, vous n'aurez pas de parquet, mais grâce à l'argent que vous avez remis ce soir, des enfants vont pouvoir se laver, des enfants vont pouvoir se s'habiller et des enfants vont pouvoir se chauffer. Formidable, j'étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables, formidable. And I'll never know where to stand when all your hell breaks loose. And I am here, said a word.
suis content, les gens sont heureux. Donc je peux être content. Mais peut-être encore les gens sont heureux. Claiming you surrender. Lay down the guns if you do. Accuse me of standing guard. 14 000 adjugés. Non, 13 000 adjugés à monsieur. Bravo. Par une histoire qui est une histoire que j'aime. Il y avait une fois dans une forêt un énorme incendie et tous les animaux de la forêt voulaient fuir l'incendie. Et alors les animaux fuyaient l'incendie et tout. Et à un moment, ils voient un petit oiseau qui est là en train de faire des allers-retours entre la forêt et le fleuve. Et là, les animaux qui ont peur commencent à s'arrêter et à se moquer de l'oiseau. Ils disent, mais attends, colibri, mais t'es con ou quoi? Comment est-ce que toi, avec ton petit bec et tes petites gouttes, tu peux imaginer éteindre cet énorme incendie? Et le colibri leur répond, je fais ma part. Je fais ma part. Des grandes maisons comme les nôtres, des maisons de couture, Christian Dior en l'occurrence, sont connues pour leur élégance. Mais l'élégance n'est pas seulement une question vestimentaire, c'est aussi un partenariat du cœur. Et je trouve que quand une œuvre aussi intéressante que celle-là pour des orphelins, donc des enfants, font appel à nous, eh bien on se doit d'être présent. Et d'autant plus qu'on est très fiers aussi de s'associer à l'ambassade de France et de faire quelque chose ici en Tunisie pour soutenir Walla Weekend. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que finalement, on arrive en Tunisie à intéresser des marques extraordinaires, enfin très connues à l'étranger, pour des causes qui sont très terre à terre, mais qui finalement qui concernent tout le monde, parce que les régions, la Tunisie, l'Afrique, le monde, ce sont des êtres humains, et nous on a juste besoin finalement d'aider tout le monde, et grâce à d'autres, on va finir par y arriver. C'est grâce à l'autre qui fait toute cette opération, ouais. Je tiens à le féliciter, hein, vraiment, ouais. Pour tout ce qu'il a fait. Et ce qui compte pour nous, bien sûr pour la France, c'est d'aider le peuple tunisien, c'est d'être aux côtés du peuple tunisien. Donc bah évidemment, les orphelinats, c'est par définition l'enfance malheureuse. Ce sont souvent des enfants, souvent issus de milieux défavorisés, de milieux qui ont besoin effectivement d'un appui, d'un soutien. Et je crois que ce que fait Lotfi Hamadi est admirable de ce point de vue. Donc si on a pu ce soir organiser cette belle soirée et permettre justement de lever des fonds pour venir en aide à ces institutions, je crois que on peut s'estimer heureux et fiers de l'avoir fait. Walla Weekend. Walla.